Du coup, la suite. C'est toujours en mode histoire, on continue. Conquête du chou. Donc là, c'est avec Sima Zhao qui doit être pas trop mal non plus. Donc ça se fait en chaos, ça. On va lancer une campagne contre le chou. Maintenant que notre territoire est un petit peu pacifié. この地区には伏兵を受ける。となると、この領を待つが。うん。こんな暗闇で地図とにらめっこかい？誰だっけ？自分は鳳凱と申す者。あなたのお父上からいくどか教えを賜ったことがあります。 堅苦しいこと。 司馬殿に申し上げたき儀があります。で、あんたは何が言いたい？失礼は承知ですが、大将軍への口添えをお願い申し上げたい。我らは遠征軍ゆえ、食糧が自給できません。まず穀倉地帯を目指すことは明らかです。 我らの動きは敵に読まれているでしょう。夜襲に備えるべきです。と進言してみたものの、玉砕か。ま、曹操殿は人の話を聞かないからな。俺が言っても同じ結果に終わるだろうよ。それでもやれって？はい。司馬殿しかおらぬのです。 Ouais, donc là, donc du coup dans cette campagne contre le chou, quand Denga il me dit peux-tu parler à notre seigneur, il parle de Cao Shuang en fait qui est le grand général actuel de l'armée et qui est le général qui dirige d'ailleurs cette campagne. Donc on est sous les ordres de Cao Shuang actuellement. Et qui n'a pas l'air d'être du genre à écouter ses conseillers et un petit peu à en faire qu'à sa tête. Autre chose à dire, Dengai? Ok. D'ailleurs, j'adore pendant la cinématique. T'es qui déjà? Oui, c'est plutôt cool. Dengai est effectivement quelqu'un de talentueux. Ça, je sais pas trop si je compterai là-dessus, mais... Comment il me parle? C'est un simple soldat, quoi. Allez, faites un petit peu plus d'efforts, bordel! Non mais, je suis ton supérieur, hein. Tu restes un troufion, calme-toi. Ouais. Simaï qui a décidé de prendre sa retraite. Ah, Wang Yuanji, bien sûr.
父上のご命令ですぞ。王元騎殿の助言はお聞き入れください。めんどくせ。王宿殿の補足書がなぜ戦場に。確かに賢者との評判ですが。 Et oui, Wang Yuanji, la fille de Wang Su, mais surtout la petite fille de Wang Lang. Et ça, c'est important de le noter. Wang Lang qui est un grand homme. そうそう様が大将軍だなんて、皇帝の宴席ってだけの無能じゃないか。 Ça va, il est mort il y a longtemps. Il est mort avant la naissance de la plupart d'entre nous. そうそう様はご自分が有能だと思っている。なんとも痛ましいことよ。 Cao Shuang, grand homme, ça je suis pas sûr mais... 今更職討伐ですか。曹操様の権力欲が伺い知れますね。Et tu savais pas Benjamin que Wang Lang c'était le grand-père de Wang Yuanji. Et ça c'est quand même une grande chose. Hein. C'est que Wang Lang c'était quand même un mec qui à l'époque avait son propre territoire dans le Jiangdong, qui après a rejoint le Wei. Mais c'est un grand homme. Wang Lang, il le faut jouable un jour. Sycophants. C'est quoi ça, des sycophants? Je connais pas ce mot. Ah, c'est que c'est un mariage arrangé en fait. Avec Wang Yuanji. Et avant d'avoir son territoire, il était avec Tao Qian. Oui, oui, c'est vrai ça. Une fois où j'avais joué Wang Lang, il commence sous Tao Qian, il me semble, dans Romance. Et ça, c'est quand même pas mal, ouais. シバイ殿は曹操殿の器を見極めようとしている。だからこの戦にも四条殿を行かせた。曹操殿の言動を報告させるために。面倒ばかり押し付けられて、俺にとっては迷惑な話だけどな。 Ouais, Wang Lang, Tao Qian, indépendant, puis Wei. En gros, Wei. Ouais. Eux, je leur ai déjà parlé. Cao Shuang en dernier. Je transmettrai le message de Dengai à Cao Shuang. D'abord, il y a des admirateurs, hein, cet enfoiré, on dirait. Yo, Dai Shogun! Soso-sama ni kakareba, shoku nante ichimo dajin desu! 期待していますよ、大将軍! Ouais, il y a des admirateurs. Seigneur Cao Shuang, j'aimerais vous parler. Je préfère la voix de Wang Yuanji dans Dynasty Warrior 8, mais c'est la même. Elle n'a pas changé de doubleuse. 大将軍, 少しお話が... このようなところにいたのかしましょう。 お前には重要な任務を命じる。これより敵の兵糧庫を奇襲せよ。我が軍の領末を確保するのだ。それだとこちらが手薄になります。敵の夜襲に備え守りを固めておくべきかと。さっきも同じことを申した男がいたな。当該とか言ったか。ふん、夜襲などありえぬ。敵はこちらの動きを知らぬのだからな。
es bien naïf. Tonikaku, isogi Hyōrōko e mukau no da. Yoi na. Mendokusei kedo, iku shika nai ka. Ogai, kaette mendou na koto ni natta ze. C'est assez probable, donc attention. Donc malheureusement, Cao Shuang a confirmé son ordre d'attaquer le dépôt de ravitaillement, malgré les risques. Les risques de ne plus avoir assez de défense au niveau de notre camp principal. Il y a des risques de raid. Cao Shuang ne doit pas mourir, on doit vaincre Wang Ping pour gagner. J'espère qu'ils feront un raid, ça lui apprendra. Ce Shimazao. Ah, Shimazao, il a une grande attaque quand même. Voilà, le surf sur un soldat. Jiuzhu en grand thème. Ah, je viens de croire. Ah, ben ça a pas traîné. Après maintenant la victoire, ouais, conditions de victoire ont changé. Maintenant faut faire s'échapper Cao Shuang. Voilà, bravo, bravo. Comment faire échouer une campagne? Allez, on va aller sauver ce sac à merde. Putain, un autre assaut. Des choux. Depuis la colline. Et allez, une attaque par le feu. Le désastre, quoi. Putain, Wang Yuanji, elle est quasiment morte. Vas-y, remets de la vie, remets-toi de la vie, Wang Yuanji. On est mourir. Sa première réaction quand même, Cao Shuang, je suppose que tu es venu te moquer de moi, Shimazao. Shimazao qui reste quand même modeste. Bah je, non, je ferai jamais ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nos chances de gagner sont complètement foutues. Tu m'étonnes. J'aimerais bien qu'on lui se soigne. Bon bah, ne pas se soigner. Allez, replions-nous. Oh!
わざわざ来なくても。いえ。あ、まあ、セイルだろう、ね。ありがとう。この時代、一番の贅沢は平穏な暮らし。いつになったら叶うのか。大変そう。次の大将軍を撃つ効果。逃すものか。みんな、奮い立て。曹操を倒すのだ。Les renforts du chou, toujours plus. Ah, Liu Yining. Je vais surfer sur ta gueule. Eh, hey, je suis là, c'est bon, Kao Shuang. Arrête de struggle alors que je suis là. Allez, avance. Regardez-moi ces archers de cul. Allez, Seigneur Kao Shuang, avancez. Allez, une embuscade de plus, une embuscade de Xinkai. Il avance, merde, il a avancé. Encore une embuscade. やしゅうの手際といい。この必要な攻撃といい。相当な将が指揮している。はずだが、どこにいる？ここにいるよ。あんたの首、このバタイがもらうよ。まだい。Putain, ils m'ont téléporté en fait. やれやれ、なんとか無事に退却できそうだな。それにしても大将軍には困ったもんだ。 父上に報告しとかないとな。めんどくせえけど。芝居殿を彷彿とさせる戦ぶり、お見事でございましたな。はあ、よしてくれよ。俺はそんな柄じゃない。さーて、俺らも退却、退却っと。 的確な判断で敵を迎え撃ち、引く時は最も安全な道を選ぶ。義の混乱を収められるのはやはり芝居一族か。
Et voilà, pour cette campagne. Enfin, qui est réellement une défaite. Hein. En fait, on s'est juste replié à cause des conneries de Cao Shuang. Et par rapport à ce que tu dis, Benjamin, encore plus de renforts, je croyais que les Chou étaient moins nombreux que les Wei, à moins que ce soit toute l'armée Chou. En fait, il y a un truc qu'il faut prendre en considération, c'est que, ouais, certainement, l'armée Wei est sûrement plus nombreuse que celle du Chou, au global. Mais ils ont un problème, le Wei, ils ont un point faible, entre guillemets, c'est qu'ils ont un territoire plus large et qu'ils doivent faire en sorte toujours d'étaler un petit peu leurs forces aux frontières, et notamment ils doivent faire attention à pas se faire attaquer par le Wu. Donc ils peuvent pas, si tu veux, quand ils lancent un assaut contre le Chou, ils peuvent pas se permettre de lancer la totalité de leur armée. En plus, on a une époque où le Wei ils sont un petit peu affaiblis, donc bon, après voilà, c'était pas forcément pratique. En plus, une très mauvaise stratégie de Cao Shuang. Le Chou, il en a profité, évidemment. En plus, le Chou, ils ont l'avantage de ne pas être dérangés, eux, par le Wu, puisqu'ils sont de nouveau en alliance. Donc, c'est un petit peu la merde de ce côté-là. Bonsoir, Glitcher, sinon.